ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات <applause> اعلموا أن الدنيا دار امتحان أن الدنيا دار امتحان وابتلاء دار مصائب وأكدار يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده فيها وكلما كانت المصيبه على العبد اعظم وصبر واحتسب كان الاجر كان الجزاء عليها اعظم فمن فقد ابنا فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد جميع اهله ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى واعلموا ان البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن اربعه اقسام اما ان يكون البلاء في نفسه او في ماله او في عرضه او في اهله ومن يحب ومن علامه محبه الله للعبد ان يبتليه فقد ابتلي الانبياء والصالحون فصبروا قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل صححه الالباني ولا بد ان يعلم المصاب ان الذي ابتلاه بمصيبته احكم الحاكمين ارحم الراحمين وانه ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وايمانه وليسمع تضرعه وابتهاله فابشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالاجور العظيمه فقد قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء الا كف الا كفر له بها الا كفر له بها حتى الشوكه يشاكها رواه البخاري. شار مسلمين ومسلمان، sachez que cette demeure que cette vie ici, que cette vie d'ici bas est une vie d'épreuves et d'examen. C'est la demeure des catastrophes et des difficultés dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Et plus la catastrophe est grande, et à condition que le serviteur patiente et espère la récompense d'Allah, alors sa récompense sera immense en propor proportionnellement à la catastrophe ou au mal qu'il a touché. Ainsi, celui qui perd un enfant, n'est pas comparable à celui qui a perdu toute sa famille. Celui qui a perdu une partie de ses biens n'est pas comparable à celui qui a perdu l'ensemble de ses biens. Et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez également que le mal ou les catastrophes qui peuvent toucher un serviteur ne sortent pas de ces quatre cas de figure. Soit la catastrophe touche la personne en elle-même, soit elle touche ses biens, soit elle touche son honneur, ou soit elle touche des membres de sa famille ou des personnes qui lui sont chères. Et parmi les signes de l'amour d'Allah azawajal envers un serviteur est le fait qu'Allah l'éprouve. Ainsi, Allah a éprouvé les prophètes, les vertueux, et ils ont fait preuve de patience. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la grande récompense est proportionnelle à la grande épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Rapporté par l'imam mêmes tirmidhi l'imam ibn Majah est jugé bon par Shir al-Albani. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Et ainsi de suite. Et celui qui est éprouvé, qu'il sache que celui qui l'a éprouvé est Allah subhanahu wa ta'ala, le plus sage des sages, le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé afin de savoir si ce serviteur patientera, si ce serviteur durant ce mal qui le touche sera satisfait de son Seigneur et aura la pleine foi en lui, et afin également qu'Allah entende de ce serviteur des invocations de l'humilier, des invocations de celui qui a besoin de son Seigneur, ainsi à tous ceux qui sont touchés par un mal, que la bonne nouvelle leur soit annoncée s'ils patiente. Cette nouvelle qu'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam cette bonne nouvelle qu'a annoncé le Prophète alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un souci ou une inquiétude qui touche un croyant, ni un chagrin, ni une tristesse, ni autre, sans que ses péchés ne soient pardonnés par celle-ci, même lorsqu'une épine le pique. وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في اكثر من تسعين موضعا وجعل سبحانه وتعالى جزاءه من اعظم الجزاء كقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصبر ضياء والصبر ضياء وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم ما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر وقال علي رضي الله عنه الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد ثم رفع صوته قائلا اما انه لا ايمان لمن لا صبر له وينقسم الصبر الى ثلاثه اقسام اما القسم الاول فهو الصبر على ما امر الله به من الطاعات وهو افضل الانواع كالصبر على اقامه الصلاه كالصبر على اقامه الصلاه في اوقاتها باركانها وواجباتها وكالصبر على بر الوالدين وكالصبر على لباس الحجاب للمراه وغير ذلك اما النوع الثاني من انواع الصبر فهو الصبر عما نهى الله عنه من المعاصي كالصبر مثلا عن سماع المعازف وكالصبر عن رؤيه المنكرات وغير ذلك اما النوع الثالث فهو الصبر على اقدار الله كالصبر على المصائب في النفس او الاهل او المال وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنثان في الناس هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحه على الميت يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه سيبقى في الناس خصلتان من خصال الجاهليه وهما من انواع الكفر الاصغر الذي لا يخرج عن مله الاسلام ولا يسلم منها الا من سلمه الله وهما الطعن في الانساب وذلك بعيب الانساب وتنقصها كقول ال فلان ليس نسبهم جيدا ذما وقدحا لهم اما الامر الثاني اما الخصلة الثانية فهو فهي النياحة على الميت وذلك برفع الصوت بالبكاء والصراخ عند المصيبة او تعداد فضائل الميت على سبيل الجزع والتسخط عليه كقول اولاد المتوفى عن والدهم من الذي ينفق علينا بعدك جزعا عليه وما علموا ان الله هو الرزاق الذي تكفل برزق عباده، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما دمع العين والحزن فلا يلام عليه العبد، ففي الحديث لما توفي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la patience et l'endurance fait partie des degrés les plus élevés en Islam. Et c'est une qualité à laquelle nous appelle l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé et a fait l'éloge de la patience et des patients dans plus de 90 endroits dans le Coran. Et sachez que la récompense de la patience fait partie des meilleures récompenses qu'Allah Azawajal puisse accorder à son serviteur. Il dit Azawajal, les patients auront leur pleine récompense sans mesure. Et la patience est le fait de retenir sa personne face à une impatience ou à une angoisse, de retenir sa langue, de se plaindre ou d'éprouver de, et d'exprimer un mécontentement et de préserver les membres de son corps, comme le fait de griffer ses joues, de déchirer ses vêtements lorsque la personne, lorsqu'on annonce à une personne une mauvaise nouvelle. Dans le sahih de l'imam muslim, le prophète alayhi wa sallam, a dit que la patience est une lumière. Et dans un autre hadith rapporté par Al Bukhari Muslim, le prophète alayhi wasallam, a dit Nul n'a été, l'on n'a pas offert à une personne une chose meilleure et plus vaste que la patience. Et Ali radiallahu anhu a dit La patience est vis à vis de la foi comme la tête par rapport au corps. Puis il a élevé sa voix et dit, certes, point de foi pour celui qui n'a point de patience. Et la patience est de trois sortes. La première qui est le fait de patienter vis-à-vis -vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des formes de la patience la meilleure, comme le fait de patienter sur le fait de prier et d'accomplir la prière à l'heure en respectant ses piliers et ses obligations, comme le fait de patienter dans l'obéissance aux parents, comme le fait pour les femmes de patienter dans le port du voile. La deuxième forme de patience est le fait de patienter face aux interdits d'Allah, comme le fait de patienter, de ne pas écouter les, la musique, comme le fait de patienter dans le fait de ne pas regarder les choses interdites. Et la troisième forme de patience, qui est la patience dans ce qu'Allah Azzawajal nous a prédestiné, comme le fait de faire preuve de patience lorsqu'un malheur nous touche, dans nos personnes, dans nos familles ou dans nos biens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit comme le rapporteur Abu Huraira, radhiyallahu anhu, hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, deux choses sont présentes chez les gens, et elle représente une mécréance, le fait d'insulter la lignée et le fait de se lamenter sur le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous informe que deux caractéristiques chez les gens resteront chez eux et qui font partie des caractéristiques des personnes vivant avant l'arrivée de l'islam. Ces deux sortes sont considérés comme de la petite mécréance qui ne font pas sortir la personne de l'islam et n'en est préservé que ce qu'Allah Azzawajal a épargné. Ces deux choses sont premièrement le fait d'insulter une lignée, le fait d'insulter, de critiquer la lignée et les ancêtres d'une personne, comme de dire la famille intelle, leur lignée n'est pas bonne, ceci dans le but de les dénigrer. Et la deuxième chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait de se lamenter sur un mort, comme le fait d'élever sa voix lorsque l'on pleure un mort, ou de crier lorsqu'un malheur nous touche, ou bien de citer les éloges d'un mort dans le but de montrer son, mécontent, son mécontentement et sa colère, comme, ce, comme le fait que des enfants disent lorsqu'ils perdent leur père, mais qui donc, va subvenir à nos besoins après toi, ceux-ci en montrant leur mécontentement et leur tristesse. Et ne savent-ils pas que c'est Allah Azawajal le pourvoyeur, celui qui a pris en charge la pourvoyance de tous ses serviteurs et de tout être vivant? Il dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne lui donne sa pourvoyance. Quant au fait de verser une larme de tristesse, cela n'est pas reprochable et n'est pas réprimandable. En effet, il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que lorsque Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras et a dit « Certes, l'œil pleure et le cœur est triste et nous sommes attristés par ta séparation, ô Ibrahim. » ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامه اذا اراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا كمرض او موت ولد وغير ذلك لان العقوبات تكفر السيئات فاذا تعجلت العقوبه وكفر الله بها عن العبد فانه يلاقي الله عز وجل وليس عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا حتى انه ليشدد على العبد عند موته ليخرج من الدنيا نقيا من الذنوب وهذه نعمه لان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه فالمصائب نعمه لانها تكفر الذنوب وتدعو الى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الانابه الى الله والذل له والاعراض عن الخلق الى غير ذلك من المصالح واذا اراد الله عز وجل بعبده الشر ترك عقوبته في الدنيا حتى يلاقي ربه يوم القيامه وهو مغمور بسيئاته فيجازيه بما يستحقه من العذاب وتتنوع احوال الناس عند المصيبه فمنهم الراضي المحتسب والساخط المتجزع كما قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط النبي صلى الله عليه وسلم ادينا الحديث الامام الترمذي في lorsqu'Allah veut un bien pour son serviteur il lui Là, le châtiment dans cette vie d'ici-bas. Il précipite son châtiment dans la vie d'ici-bas. Et lorsqu'Allah veut un mal pour son serviteur, il ne le châtie pas jusqu'à ce qu'il rende compte le jour du jugement. Ainsi, Allah Azzawajal, lorsqu'il veut un bien pour son serviteur, il précipite sache son châtiment dans cette vie d'ici-bas à travers une maladie ou à travers la mort d'un enfant ou autre, car les châtiments expient les péchés. Et si Allah Azzawajal précipite le châtiment d'une personne dans cette ville ici-bas, Allah Azzawajal pardonnera à travers cela les péchés jusqu'à ce que cette personne n'ait plus de péché à son compte. Et il est possible que les épreuves et que la mort soient extrêmement difficiles pour une personne, et que l'agonie de la mort soit extrêmement douloureuse pour une personne, afin qu'il quitte ce bas monde, purifié et nettoyé de tout péché. Ainsi le châtiment qui peut nous toucher dans cette vie d'ici bas est en réalité un bienfait, car le châtiment de cette vie d'ici bas... Est bien plus léger, bien plus souple que le châtiment de l'au-delà. Et dans le hadith authentique, le Prophète alayhi wasallam, a dit Et le serviteur ne cessera d'être éprouvé, jusqu'à marcher sur terre et n'avoir aucun péché à son compte. Ainsi, celui qui est éprouvé, Allah pardonne ses péchés. Celui qui est éprouvé. Son épreuve va l'amener à patienter et il sera récompensé pour cette patience. Celui qui est éprouvé, cette épreuve va l'amener à s'humilier et à revenir vers son Seigneur et à se détourner des créatures, car il saura pertinemment que dans le malheur qui le touche, aucune créature ne saurait lui apporter d'aide si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah jal veut un mal pour un serviteur, il délaisse son châtiment dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur le jour du jugement, en étant plein de péchés, et il sera rétribué selon ce qu'il mérite comme châtiment. Et les gens sont différents face aux catastrophes qui les touchent. Certains sont satisfaits et espèrent la récompense d'Allah, et d'autres sont courroucés et ne cesse de se plaindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la récompense est proportionnelle à l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les épreuve. Celui donc qui est satisfait, à lui la satisfaction. Et celui qui est mécontent, à lui le mécontentement. qawli wa الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا يظن احد انه يسلم من البلاء والمصائب فالانبياء عليهم السلام نزل بهم من البلاء اشده واعظمه فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء قلت ثم من قال الصالحون ان كان احدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباءه يحتويها وان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء وقال عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه وليبشر بالبشاره العظيمه الذي اصيب بمصيبه بشاره تؤنس وحشته وتخفف مصيبته وتهون ما نزل به فقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله عند المصيبه فقال ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها رواه مسلم Et que personne, et que personne ne pense qu'il est à l'abri des épreuves et des malheurs. Que personne ne pense qu'il est à l'abri qu'une catastrophe ne le touche, car les prophètes alayhimus ont été éprouvés <coughs> des plus dures et difficiles des épreuves. Selon Abu Khudri an, il dit J'ai dit Ô oh, envoyé d'Allah, quels sont les gens les plus éprouvés Il a répondu Les prophètes. Puis j'ai dit Et qui ensuite Il a dit Les vertueux. L'un d'entre eux, en parlant des vertueux, peut être éprouvé par la pauvreté jusqu'à ne posséder que la cape qu'il a sur son épaule. Et l'un d'entre eux est plus heureux de son épreuve que l'un d'entre vous lorsqu'il est dans une bonne situation. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa lorsqu'Allah veut un bien d'une personne, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. Et que ceux qui sont éprouvés, que ceux qui sont victimes de catastrophes, ceux qui, un mal, touchent leur personne, leur bien ou leur famille, qu'ils écoutent cette bonne nouvelle. Cette immense nouvelle qui consolera ces personnes et qui fera en sorte que leur tristesse s'amenuise et que leur mal devienne supportable, qu'ils écoutent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, comme le rapporte l'imam muslim dans son sahih, <coughs> la situation du croyant est vraiment étonnante. Toutes ces situations sont bonnes. Et ceci n'est accordé qu'aux croyants et aux croyants seuls. Lorsqu'un mal le touche, il patiente. Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant. Et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il patiente. Et cela est meilleur pour lui. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné ce que l'on doit dire lorsqu'un mal lorsqu malheur et lorsqu'une catastrophe nous touche. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui est victime d'un malheur, puis dit ce qu'Allah azza lui a ordonné de dire, « Inna lillahi wa inna ilayhi nous appartenons à allah et c'est vers allah que nous retournerons ô oh allah récompense moi dans ce malheur et remplace le par une chose meilleure sans qu'allah azawajal ne le remplace par une chose meilleure et lorsqu'une des femmes du prophète alayhi wasallam, a perdu son mari la maison de son mari, elle et son mari étaient les premiers à avoir émigré vers l'Abyssinie. Et lorsque son mari est décédé, elle a dit, mais qui est meilleur que mon mari? Qui pourra le remplacer et avoir autant de mérite? Et elle a entendu cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, récompense-moi dans cette dans ce malheur et remplace-le par une chose meilleure puis elle a dit et Allah azza wa jal me l'a remplacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. elle est devenue l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'une des mères des croyants na sallalahu azza wa jal ala al ala al-balaa wa al-masa'ib allahumma ij'alna min as-sabirin اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الراضين على قضائك وقدرك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعن اخواننا في سوريا اللهم كن لهم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم ارزقهم الصبر، اللهم أجرهم على مصيبتهم، اللهم أجرهم على مصيبتهم، واقض على عدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم شتت، اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك، يا قوي يا متين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين